Shoyming se dirigeait tranquillement vers sa maison, tandis que le paon volait au-dessus de lui. L'oiseau découvrait une belle et grande maison chinoise avec un immense jardin. « Attends-moi ici, » dit le petit garçon, « ce ne sera pas long. » Aussitôt, Shoyming raconta à son père sa promenade en forêt. « Papa, je suis retourné dans la forêt ce matin, précisément à l'endroit où nous étions hier, et il est revenu. Tu n'aurais jamais dû y retourner seul, c'est dangereux. Mais papa, il voulait me voir pour me parler et me poser des questions. C'est un oiseau, il ne parle pas. Tu penses qu'il peut être à ton écoute et compatir à notre chagrin, mais ce n'est pas le cas. Et puis, que peut-il bien savoir? Eh bien, soit. Allons lui parler si tu y tiens. Qu'attends-tu? Allons en forêt. C'est inutile, papa, il m'a suivi jusqu'ici. Quoi? Tu veux dire qu'il est dans notre jardin? Shoyming, Shoyming, viens ici. L'homme courait après son fils et le retrouva près de l'oiseau majestueux. Vous faites peur à votre fils. Pourquoi vous emportez-vous? Pourquoi vous mettre en colère? Questionna l'oiseau. Je ne suis pas en colère. Qui me parle? Bien sûr que si, vous l'êtes. Shoyming, arrête ça tout de suite, tu m'as compris? Ce n'est pas moi, c'est le pas. Il est hors de question que vous lui fassiez du mal. Je ne ferai jamais aucun mal à mon fils. Cela est-il vrai? Tu es un paon qui part? Oui, et je vous comprends, je compatis à votre chagrin. Le paon blanc se tourna vers Shoyming en disant « Peux-tu nous laisser un petit moment? Je dois parler avec ton papa. » Que s'apprête à révéler cet homme au paon? Que s'était-il passé ce jour-là?